Ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 32 et versets 39 à 40. Frères et sœurs, les parents de Jésus sont conscients que tout vient de Dieu, tout appartient à Dieu et que tout doit retourner à Dieu. C'est la motivation de leur démarche voulue par la loi. Mieux encore, Marie et Joseph savent plus que quiconque que Jésus est don de Dieu. C'est pourquoi ils vont au temple pour le consacrer. La démarche de Marie et Joseph nous mène à comprendre que la vie ne doit jamais être considérée comme une propriété privée, un bien qui nous est propre ou quelque chose que nous avons inventé. Dieu est maître de tout. Il est le principe et l'achèvement de toutes choses dans la vie. Notre vie est fruit de son amour. À notre tour de la développer et la porter à son plein épanouissement. À l'occasion de la fête de la Sainte Famille que nous célébrons, renouvelons l'abandon de notre vie au Seigneur. Offrons à Dieu notre famille. Offrons à Dieu tous nos projets, nos entreprises, notre vie. Il n'y a pas de plus grande joie que de s'abandonner entièrement à celui qu'on aime. Dans cet élan d'amour, sa bénédiction remplira notre quotidien. Quelle résolution! Savoir que ma vie n'est pas ma propriété privée. J'agirai désormais en sachant que je rendrai compte au Créateur. Notre prière. Seigneur Jésus, je te confie toute ma famille. Je te présente les enfants sans parents. Je te confie ceux qui sont dans la rue. Je te demande la grâce de susciter des cœurs généreux pour que chacun soit accueilli et connaisse la joie de la famille, à l'exemple de Jésus-Marie-Joseph. Quant à moi, je te renouvelle le don de moi-même. Je demande humblement que tu sois toujours présent dans ma vie et qu'ainsi j'écoute la voix de l'Esprit-Saint. Quelles conséquences? Par le baptême, je suis consacré à Dieu. Pluie de bénédiction, tout pour la gloire de Dieu.